commençait un petit peu à la désosser, et plus je la désossais, plus il fallait la désosser. Plus, d'accord. Plus c'était la cata. D'accord, ok. Et wow. J'ai fait un choix, j'ai resté un an de restauration. Et je l'ai sauvé. D'accord. Mais c'est, wow. On fait ça qu'une seule fois. Ouais, bah, oui, pneu TRX. Ça va être superbe. Le pneu sur le TRX. Vraiment magnifique. Oh la belle. Oh la belle, elle est belle. Hein, voilà. Ah oui, dis donc. Ah, que la peau de bombe, elle a vraiment été restaurée. D'accord. Tu peux y aller, regarde. Alors c'est quoi? Ah ouais. Il n'y a rien qui est pourri. Et ça, combien? Oh la vache. Mais c'était à qui celle-là? Et enfin, ça, c'est... Elle a toujours été à moi. Vous êtes... Je suis infirmière, je suis malade, moi. Mais c'est vous qui avez... Attendez, votre prénom? Didier. Didier. Et toi? Et moi, Françoise. Françoise. Allez-y. Ça ne parle pas. C'est les framboises, les framboises. Ça ne parle pas. Framboises, c'est les framboises. Elle est superbe. Et regarde le dessous de toi. Léon. Non, mais ils ont été faits, ils ont été refaits à l'origine. À l'origine. Mais vous verriez mes bagnoles, il n'y en a pas eu aucun catalogue. Et Didier oh, c'est pareil. Premier numéro. Il va me dire, parce que là je suis en train de filmer, voilà une chaîne YouTube, ouais. La passion automobile, ouais. Et je fais partie de l'association des bannis, et vous pouvez me dire un peu la voiture. La voiture, quand on va sur internet, on sait que c'est un kit Picossant. D'accord. Et c'est un carrossier qui a fait pas mal de DS en custom comme ça. Je suis pas convaincu qu'il en a fait. Il est décédé malheureusement maintenant. Mais ça fait partie de l'époque. Quoi. D'accord. Oui, c'est un style américain ou pas forcément? Ah pas non, du tout. Non, enfin, c'est trop. Les jantes, c'est américain. Ça. Ah oui, américain, oui. C'est un légende, vous n'avez pas les jantes d'origine? Non. Et Didier, vous n'avez pas les jantes d'origine? Non, si, vous avez gardé. Non. Ah bon, quand même. La petite est d'origine, là. Ah ouais, c'est chaud. C'est comme le kéfine pour la saison. Qu'est-ce que je peux remplir? Pour la saison. Alors, c'est moi qui l'ai fait. Dedans, il y a tous les amplis, il y a tout dedans. Ah oui, vous avez mis des enceintes pionnières, j'ai vu aussi derrière. Ouais, ouais, ouais. Sky 73, alors les anciens, ils connaissent bien. Ben, c'est la belle église. C'était le top du top. Il a pu expliquer. C'est une belle église. Mais une cathédrale. Ouais. Si je veux aller à la messe, il faut que je me prépare. Le moteur est aussi beau. Hein. Ah oui, je veux bien voir. Oui, je veux bien, ouais, je veux bien. Ah oui, moi je veux. Yeah. J'arrive. Ouais, parce qu'il s'en va. Ah. Tu peux être chez moi dans 20 minutes. Tiens, tu vas boire un bonjour François. Ça va, ça tu vas va bien. On se fait une vidéo. Ouais, super. Un petit selfie. Ah bah non, c'est le côté du coup. Voilà. Hi. Salut les amis. Salut. Ah, on est passé par la Concorde tout à l'heure. Là, j'ai changé ma voiture. C'est chouette. Je suis mis en Porsche aujourd'hui. Salut, enchanté. Ah, la voiture. Ouais, alors c'est quoi? C'est quoi? Non, c'est quoi? Bah, tu vas sur internet, tu regardes, il en a fait. C'est un kit moteur, c'est quoi? Non, le kit carrosserie. D'accord. Non, le moteur, il est d'origine. Ouais, c'est super. Il en avait fait un, il a fait un kit aussi, un peu de bijoux à l'époque. Oui. Il avait fait un kit aussi. D'accord. Et c'est un combien de chevaux du coup? C'est 13 ou 14 chevaux, c'est la 2,3 litres. D'accord. Et regarde François, le toit, le plafond du toit en dessous. Non, enfin le plafond. Il est super. Et en plus, c'est. Et les enceintes en plus, hein. Pionnières, attention. C'est l'époque, les enceintes. C'est l'époque? Ah bon, c'est d'époque, hein, ça d'accord. Fait des années. Essaye d'en trouver des comme ça au lobby. Sincèrement, il y a des anciens, ils connaissent. Tu leur parles de Kai 73, tout d'accord. Ce qui flippe. Hein. D'accord, ok. Ils connaissent Kai 73. Même ça c'est en. Et les feux arrière, c'est quoi? Ça vient de quoi? 505. Ah, superbe. Et les rétro, c'est 604. Ah, d'accord. Ah, superbe. J'ai jamais vu ça, la première fois. Hyper protégé. Ouais, carrément, ça, quoi se tenir aussi.
mettre aussi. C'est la première fois que je monte dans une DS en plus. Ah bon ? Première fois, jamais monté. Ah, le toit il est magnifique, hein, le centre de toit là. Là c'est des lampes. Donc comme là c'est un peu plus calme, vous pouvez me redire le modèle. C'est une DS23. D'accord. Injection électronique. Oui. Elle est silencieuse et tout. Hein. Mais c'est vrai que ça fait un moment. Maintenant, je suis plus en activité. Ah, oui. Donc, j'ai un petit peu plus de temps. Et donc, vous l'avez restauré en. Oh, ça fait une vingtaine d'années. D'accord, une vingtaine d'années. D'accord. Même les cuirs, tout ça, là, ah, ça ne bouge pas. Non, ah, d'accord, oui. Même l'intérieur, là, vous avez capitonné, là, tout ça. Oui, c'est de la moquette. Oui, d'origine, il y avait de la moquette. D'accord. Parce que moi, j'ai changé la couleur. Oui, d'accord. Même les enceintes, là, c'est d'origine, ça aussi. Non, non, c'est pas d'origine. Non, non, c'est pour avoir un son bien réparé. Ouais, bien sûr, ouais. Puis il y a vite électrique et tout. Ah, il est superbe. Toi, ouvrant, il y était aussi ou... Non, 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 non. Non, non, ça non. De temps en temps avec. Oui, souvent. Et là j'en ai une autre que je vais rattaquer. Ça fait 20 ans que je m'en suis pas occupé. D'accord. Je vais l'attaquer pour la restaurer. D'accord. Une 23 pareil. J'ai une B23. D'accord, oui, ok. Je connais l'hydraulique, même l'injection, tout ça. On est obligé. Hein, à partir du moment qu'on est passionné, il faut faire le. On est dans la mécanique. Hein. Oui, sinon c'est pas à peine. Moi j'adore les voitures, mais je suis pas mécano, donc je peux pas. Je peux pas avoir voiture un peu ancienne sinon. Allez, qu'on accélère. Ouais. Ah ouais, ça va. Ouais, ça freine. Ah oui, tu vois ça. Nickel. Ah ouais. Mon père avait une Honda 500 CX Sport. Ouais. Avec les sacoches et tout le carigné, elle était superbe. C'est costaud comme moto. Là aujourd'hui c'est bien, il y a plus de monde du coup. Ouais. C'est sympa. Ben, merci hein, Didier, c'était sympa.